Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a eu un entretien avec l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, se prononce sur les élections municipales et régionales d'octobre à novembre 2023. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, s'est entretenu en ce jeudi 19 janvier 2023 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire avec l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Madame Yonka. Le chef de l'État a salué l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, marquée par la visite d'État du président Recep dans notre pays dans les années 2016, après celle effectuée par le président ivoirien, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, en Turquie dans les années 2015. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est en outre réjoui de l'augmentation du volume des investissements et des échanges commerciaux entre nos deux pays au cours de ces dernières années. Évoquant la crise entre la Russie et l'Ukraine, le président de la République de Côte d'Ivoire a traduit sa gratitude à son homologue turc, en ce matin pour tous les efforts qu'il déploie pour amener la paix entre ces deux pays. Le chef de l'État a rappelé l'attachement de la Côte d'Ivoire à la paix durable à travers la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décennie par l'UNESCO, d'après l'édit du RHCP. Pour terminer, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a salué la contribution de l'ambassadeur de la Turquie au renforcement et à la diversification de la coopération entre nos deux pays et lui a demandé de transmettre ses amitiés à son homologue turc. Le président Recep, il en a profité de l'occasion. Il a remercié M. Alassane Ouattara, l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. Son Excellence Mme Yonka a pour sa part remercié le président Alassane Ouattara pour l'hospitalité et le soutien total dont elle a bénéficié durant son séjour en Côte d'Ivoire. Elle s'est réjouie du dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie et a réitéré la volonté des entreprises turques de continuer à investir dans notre beau pays. Notons que le ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, a pris part à cet entretien. En Afrique du Sud, en passant par le Mali, un Malien a eu la vie sauve sous le nom du colonel Assimi Goïta. Un Malien a eu la vie sauve en Afrique du Sud grâce au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des bandits armés s'apprêtaient à lui rendre la vie due, sinon lui ôter la vie. Ils ont renoncé à leur forfait quand ils ont su que le potentiel victime était un ressortissant du Mali, le pays du colonel Assimi Goïta. C'était dans la nuit du 24 décembre 2022 qu'on peut dire que la renommée du colonel Assimi Goïta continue de s'étendre partout dans le monde entier. En effet, un Malien qui a eu la vie sauve très récemment à cause du nom du colonel Assimi Goïta en Afrique du Sud. L'information a été communiquée par plusieurs sources proches collaborateurs en provenance du Mali et la guerre froide entre l'imam Diko et le colonel Assimi Goïta continue d'alimenter la toile sur la mort tragique de l'imam Diko.